Re les amis, toujours Kana en direct de sa PS3. Pour ce coup-ci, j'en suis sûr, la dernière ligne droite de notre palpitante aventure sur Assassin's Creed 3. Donc je tiens aussi à vous montrer un petit peu que notamment sur Boston, ben, on a vu que la moitié de la carte, hein, il y a encore un bout là qu'on n'a pas déverrouillé, hein, que j'ai pas été visité, j'ai pas activé les points de machin, les points de synchronisation. Et aussi, vous pouvez noter. La flopée de points de missions alternatives hein, qu'il y a de quêtes annexes. Voilà. Mais je tâcherai de revenir là-dessus dans une autre vidéo telle qu'une vidéo de conclusion, si je puis dire. On va essayer de passer à l'intérieur de ça là. On n'a pas beaucoup utilisé cette partie. Là, au sol, c'est sympa. Surtout pour évader, s'évader, là, lorsqu'on est détecté, j'ai pas du tout pu utiliser ce système. Donc voilà, on est déjà détecté, hein. J'espère que dans l'eau je vais les semer facilement. C'est bon, c'est le cas. On va y aller à la nage. Peut-être la seule fois où on a utilisé la vision d'aigle du jeu. Hein, on se demandait même à quoi elle servait. Donc on va se rapprocher. Là, ça a l'air d'être brillant. Oh là. Alors j'espère que c'était prévu par le jeu, le fait qu'il s'enfuit, hein. Voilà. Mais nous, on doit passer où, bordel? On
Me dis pas qu'on doit passer là. Oh là là, j'ai rien compris. Alors, mais pour bousculer les personnes, c'est quasi chose impossible. Rester à moins de 50 mètres, c'est quasi chose impossible. Ah ok. Oh la vache. Alors, je sais pas où on devait aller, hein. Parce qu'on doit poursuivre quelqu'un. Alors du coup, j'ai voulu encore aller trop vite et je me suis fait carrément prendre des débris sur le crâne. Oh là là, j'en ai marre. Je vous promets une fin monumentale et j'arrête pas de faire que des fails. Alors ceux-là, je sais pas comment les éviter. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Là, je vais encore me faire désynchroniser. Oh là 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 là. Je fais vraiment de la merde.
On a le droit à des thèmes musicaux de ouf par contre, hein. Et voilà enfin dénouement. Ça, c'était pour ma mère. Allez! T'es plus capable de monter un truc ou quoi? Je suis obligé d'utiliser les escaliers quoi. Connor, qu'est-ce qui t'arrive? La nuit a été dure, on dirait. Il est parti dans les terres, sur un bac remontant la rivière. Il faut que je le suive. Bien sûr, à votre service. Oh, il est pas mort, les gars. Oh, il est pas mort. Une bastos dans le ventre, il s'est sauvé. On va le poursuivre. Donc, je vous propose de continuer la vidéo, hein, et de pas continuer à. Aux 20 minutes qui sont habituelles et ainsi de profiter de la fin intégrale comme ça d'un coup. Donc on est déjà pas trop bien et on doit approcher du fort, donc je vais d'abord me rendre au truc là. Parce que si la fin se passe comme ça, on est vraiment dans la merde. Oh. Ils veulent vraiment faire durer le suspense. Deux hommes ensanglotés, personne ne se demande rien.
Ah, il a la clé. Et voilà. La pomme d'Éden. Voilà la divinité de ceux qui vivaient là avant. Je sais plus si c'est laquelle, si c'est Minerve ou Junon, celle-là, je sais plus. À l'avenir, j'éviterai de donner mes impressions directement dans la vidéo. Hein. Donc, comme je le disais, ça devait être Minerve ou Junon, je ne sais plus laquelle des deux, mais c'est l'une des divinités qu'on a déjà vues à travers les précédents opus sur Assassin's Creed. Elle fait partie de la civilisation de ceux qui étaient là avant, si on peut les appeler comme ça. Et donc il doit. Là notre but est de cacher la clé, donc c'est ce qu'il va le faire. Et c'est ce que Desmond y recherchait depuis le début en fait. Ce qui devrait permettre d'ouvrir le temple. Et qui devrait nous donner toutes les révélations tant attendues.
Donc il l'a enterré dans la tombe d'un des fils du fils de Achille. Ou d'Achille, hein. Mais ça avait l'air d'être son fils. Et maintenant. Il est temps d'entrer là-dedans. Non, pas encore. Il faut d'abord que l'endroit soit alimenté. Trouve les socles restants et installe les sources d'énergie. Je m'en occupe. Bon, alors apparemment, on a une sorte de petite énigme à résoudre, hein. Habituellement, comme dans tous les Assassin's Creed. Donc apparemment, là, je devrais devoir alimenter le truc. Donc ça, je m'en bats les couilles des messages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les sources d'énergie. Ça nous donne un peu d'infos, c'est sympa. J'espère que la recherche va pas me prendre 30 ans non plus. On a le droit à une petite scène là.
qui a nous donné un peu l'explication de comment la tour a été construite. Donc je pense que ici je devrais devoir passer les trucs d'alimentation. À condition de les avoir trouvés, bien sûr. La vision deck peut peut-être nous être utile. Donc je vous propose de vous quitter, de me laisser chercher un petit peu et de se retrouver pour un final tant attendu. A tout de suite les amis.